Dans cette vidéo, je vais vous présenter un thème tactique très important, très particulier, très subtil, aussi subtil qu'efficace, le sacrifice d'obstruction. Le trait est au blanc. Et si on part de l'ordre naturel, ici évidemment A4, ça permet souvent de comprendre mieux une étude ou une position. On s'aperçoit que le roi noir rentre dans le carré A5, roi D5 et le roi est dans le carré. Donc, si on ne peut pas jouer le pion A, en tout cas pas maintenant. Si on joue roi E1, roi E4 et les pions blancs vont tomber. Donc on ne peut toujours pas jouer ni A4 ni roi E1. Donc on va jouer le coup gagnant D5. Sacrifice d'obstruction sur la case D5 ici. Donc obligation de prise. Et maintenant A4. Roi E4 et le pion fait dame. On voit bien ici, on voit mieux la case d'obstruction en D5. Donc sur D5, prend D5, obligation A4, les noirs pourraient se dire, ok, je peux pas arrêter le pion, donc je vais contre-attaquer. Menaçant, hein, d'ailleurs, le roi noir menace de rentrer dans le carré à nouveau. Donc A5, D3, là la menace c'est D2, ça gagne pour les noirs. Donc comme le pion blanc est sécurisé, on peut tout simplement jouer roi E1. Dans cette position, ça sent le mat à l'étouffée. Dame H7 échec, cavalier prend H7, sacrifice d'obstruction, la case H7 n'est plus disponible. Cavalier HG6, roi G8, le roi ne peut pas sortir en 7, c'est cool ça. Donc, merci le cavalier E5, les points E7 échec, roi H8 et cavalier 5, G6, mat. Dans cette position complexe, on voit ici le carré de 6 après A4, B4 prend A3, B2 prend A3. Voilà, le pion blanc se retrouve en A3. Donc, comment gagner avec les blancs? Encore une fois, la variante naturelle A4 qui ne marche pas, encore une fois. B prend A3, B prend A3 et roi G3 à cause de cette astuce-là. Et A4, pour ceux qui n'auraient pas compris, H5, A5, H4, A6, H3, A7, H2, mat. Donc, ça ne marche pas. Donc on va faire quoi? Alors le pion G2 gêne, ben on le prend. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, puisqu'après roi G5, A4, B prend A3, B prend A3, roi F6, A4, roi E7, A5, roi D8, A6, roi C8, roi B7, et les noirs vont gagner. Bon. Et pourtant ça gagne, et pourtant ça gagne. Donc comme le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré si on joue le bon coup, on va tout simplement jouer le bon coup qui est F6 menaçant de... Bon, sur roi G3 ici, on prend G7 et ça gagne pour les blancs. Donc sur F6, la prise est obligatoire. On n'oublie pas de prendre le pion G2 si l'on se fait mater comme tout à l'heure. Roi G5, A4. B prend A3, B prend A3, il y a urgence. Roi F5, le roi noir est content, il est dans le carré. Cependant, A4, roi E5 menaçant les pions blancs, mais il faut encore un peu obstruer, sinon le roi noir va rentrer dans le carré en prenant les pions. Donc, D6, C prend D6, C6, D prend C6. Troisième sacrifice de pion, A5 gagne. Roi D5, A6, et le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré. C'est quand même assez remarquable comme étude. C'est une vidéo, donc vous pouvez la revoir, prendre un échiquier, la décortiquer, c'est très intéressant. Donc ici, dame H3 échec et mat. Non, puisqu'il y a F5. Donc ok, on a compris. Donc on va un peu obstruer le pion F en jouant fou F6. Très joli, menaçant le fou. Quoi d'autre pour les noirs que la prise? Et dame H3, mat. Oui, il y a mat. Là. Ici, le coup qui est menaçant, c'est H7 et H8 dame. Et on voit bien que sur la poussée du pion ici, la contre-poussée E4 et le fou de case noire tient. Il faut être un peu plus subtil que ça. Et les blancs ont joué un très joli coup qui est fou D4. Sur fou prend D4, roi D3. Et sur fou bande, fan, pardon, j'y arrive. Et sur fou B2. Pour pousser en E4, tout simplement le roi bloque. Roi E4 bloque le pion et le pion blanc gagne. Sur fou D4, fou prend D4. Ok, on vient de voir. Roi D3, fou B2, roi E4. Sur fou D4, sur E prend D4, tout simplement roi D3 qui bloque le pion et le blanc gagne.
Dans cette position, on a envie de jouer ici, évidemment, C4, échec qui gagne sur la grande diagonale. Mais il y a une contre-poussée noire en D4 ici, et ce sont les noirs qui gagnent, avec cette dame noire et la tour ici. C'est quand même pathétique. Fou E4, dame prend E4, échec, etc. Donc, sur Fou E4, qui gagne ce très joli coup, on va voir un peu. Donc, j'ai un peu dévoilé le mystère un peu vite. Porte Fou E4. En fait, on bouche la grande diagonale. Sur D prend E4, on a C4, échec qui gagne. Sur F prend E4, C4, échec qui gagne aussi. Donc, il n'y a pas 36 millions de coups ici, côté noir. La menace ici, c'est C4 quand même, faut pas l'oublier. Donc, ils ont joué cavalier C6. Mais cavalier C6 gagne dans toutes les positions aussi, puisqu'il y a fou prend D5 et les blancs sont gagnants. Avec la poussée C4, le fou F7 attaqué. Donc, il y en a assez pour gagner. Évidemment, sur cavalier C6, on aurait pu penser à C4 échec ici. Est-ce que ça marche ou pas? À vous de voir. Et pousser le pion là. Sauf que là, on peut jouer tout simplement fou prend D4. Et sur cavalier prend, il n'y a pas mat en effet, mais on gagne la dame, tout simplement. Dans cette position, le trait est au noir. Un classique, G2. Le cavalier est obligé de prendre et occupe la case G2, la case d'obstruction. Là, il y a H3, gagne un temps sur le cavalier. Mais on ne joue pas ça pour prendre le cavalier, on joue ça pour faire dame. Roi F3, H2, gagne. Dans cette position, le trait est au blanc. Très jolie position. Remarquez le roi noir qui manque de cases. On va un peu obstruer tout ça avec tour H6, échec. Si dame prend G4 mat, tout simplement, le pion H4 étant cloué. Surtout H6, autre variante, roi prend, tout prend H4 mat. Donc très joli ce coup, encore une fois, tour H6 qui gagne. Le trait est au noir, regardez, repérez le roi blanc confiné qui n'a pas de case. Remarquez aussi la puissance des deux pions ici, hein, qui contrôlent des cases très importantes. L'obstruction se fera sur G5 avec la tour 8 et non pas la tour 2. H prend G5 et tour H2 mat. Dans cette position, le trait est au blanc et la menace c'est dame G5 mat. Ici. Sauf que si on joue dame G5 mat tout de suite, la dame prend. Donc il faut mettre hors jeu la dame noire par un coup très simple. Au passage, la dame peut prendre la tour ici aussi. Hein. Donc tour E5, toutes les conditions sont réunies. Évidemment, sur D prend E5, il y a mat ici. Dans la partie tour B1 échec, roi G2, et là il n'y a plus rien à faire. Soit la dame est prise, soit il y a mat en G5, dame prend, fou prend, sans commentaire. Donc, position suivante, le trait est au noir, et joueur le coup très, très sobre, LF4 qui menace. Dame G2 mat sur Dame F2 qui fut joué dans la partie. Tour prend B7. Et sur H4, Dame G4 qui gagne un temps sur la tour D1. Aussi Dame H3, certainement très utile. Tour D8 échec, histoire de gagner un temps, sauver la tour et garder la main. Roi H7, tour D4. Très joli. Le cavalier est cloué et les blancs devraient récupérer le cavalier. Sauf que Dame H3 échec. Roi G1. Tour B6 qui gagne. Donc sur cavalier F4 ici, sur Dame F2, il fallait voir aussi plutôt que Dame F2, donc sur Dame prend B8 échec, Roi H7, Tour D2, pardon, Tour D2 et le coup qui est très fort ici, je vais le trouver, c'est Dame G4. Avec la menace en F3 qui est décisive. Autre position. Le trait est au noir. Et on va jouer ici un coup d'obstruction. Et non pas un sacrifice d'obstruction. Avec Dame D4, échec.
Dame E3 seul coup, et puis ça mate tout simplement avec Dame H4, oh, G3 et Dame prend H2 mate. Le trait au noir. Mettez sur pause parce que la défense des noirs est vraiment très 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 jolie, il faut la trouver. Est-ce que je serais capable de trouver une défense comme ça? Peut-être, je sais pas. Donc, bon, la défense toute simple avec G prend F6, c'est ridicule puisque tour G3 gagne. Il y a Roi H8, Fou prend F6, mat. Bon, interposer la dame, il y a tour prend G4, c'est ridicule. Donc, comment se défendre avec un très joli coup, Dame G4 ici. L'idée, c'est de refermer la colonne G tout simplement. Et sur H prend G4, on prend tout simplement la dame. On voit qu'on n'a pas ici le coup tour G3. Donc sur fou prend F6 par exemple, tour F8 et on n'en parle plus. C'est gagné pour les noirs. Une pièce d'avance, une tour nette d'avance. Donc dans cette position, le trait est au noir, un grand classique. On va essayer de mettre deux pièces entre la tour 1-1 et la case de promotion ici avec tour 1 qui gagne sur roi prend 1, H2 et le pion fait dame. Et sur fou E4, ici, on va jouer tout simplement H2. Tour prend A7, échec. Roi D6 gagne. Bon, on peut jouer des coups comme F4 ici. Et il suffit simplement de prendre le fou ici. Avec la tour. Et le pion fait dame après. Donc c'est tout simple. Ça, c'est un grand classique, c'est connu. Typique. Tour 1 qui gagne. On peut le voir comme ça. Tour 1 qui gagne. Position suivante. Alors, ici, on peut avoir deux jolis coups de fou dans cette position-là et la position d'après. Le trait est au blanc et les noirs vont faire dame. Donc, il y a urgence. Et les blancs mettaient sur pause en jouant un très joli coup, très très joli coup de défense. Fou G5. Sur G1 dame, fou prend F6 gagne. Et sur pion prend. Vous avez Roi G6 qui gagne et Tour D8 mat à venir, imparable. Quand même très 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 joli comme coup. Fou G5, faut le trouver dans ce coup-là. Donc, avec les noirs, on tape plus simple et plus classique. Fou G2, échec. P prend G2, la case G2 est obstruée. Tour H3, mat. Dans cette position, le trait est au noir, mais la menace c'est Roi ici et les pions vont tomber. Donc, ils ont joué un coup très joli. Fou G4. Fou G4, tour H4, quoi d'autre? Et H2 qui gagne, tour prend G4, H1, dame. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? On peut penser aussi à tour prend H3. Mais tout simplement, fou prend H3. Certes, le roi blanc récupère la case F3, mais on joue tout simplement G2 qui gagne. Dans cette position qui est très très belle, l'une des plus belles, je trouve. Tour D2, menaçant le pion B2, cavalier A4, mettez sur pause. Voilà, c'est bon. Et vous avez ici tour prend B2, un très joli coup, tour prend B2. On s'aperçoit des limites du cavalier dans les zones étroites. Il a du mal à se mouvoir, donc cavalier prend B2, C3. Tour prend B6, histoire de défendre. Hein, si le pion prend le cavalier, évidemment, on prend. Et sur tour prend B6, les blancs ont joué un très joli coup. Non pas C2 qui permet cavalier D3, mais ils ont joué tout simplement, justement, C4 qui empêche cavalier D3. Tour B4 dans la position. Et là, les noirs jouent un très joli coup, qui est A5, qui clôt la discussion. Si tour prend, pensant régler tous les problèmes, tout simplement, on l'aura compris, C3 prend B2 et les deux casse-clés sont tenus. Et ça gagne pour les noirs. Bon, échec ici en H4, tiens pas, hein, tout échec ici, voilà, bon, sans commentaire. Donc dans cette position, fou prend G2, roi prend G2, F3 qui ferme la boîte, un grand classique encore, E prend F3, dame H2 mat.
Sur fou prend G2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, il y avait aussi ce coup très intéressant. Il y a F3. Sur fou prend F3. Un très joli coup ici. Fou G2 qui gagne, soit en H1 ou en H2. Dans cette position, le trait est au blanc, il doit se défendre. Puis il y a une pression ici sur le pion B2. Mettez sur pause encore une fois. Ils ont joué un très très joli coup de défense. On est bien content de trouver ça en partie. Fou E5 qui coupe la liaison des tours et qui défend B2. Sur Dame prend D7 qui fait jouer dans la partie, Dame prend D7 sans commentaire. Voilà, etc. etc., etc. Et G4 qui gagne pour les blancs. Sur Fou E5, maintenant sur Fou prend. Bah évidemment, les tours ne sont plus liées, donc ça gagne ici, ça mate même. Là, Dame G6 échec, Roi H8, Tour D8 échec, et mate. Dame E8 s'interpose, Tour prend E8, mate. Donc, ce joli coup de défense ici, très joli coup de défense, fou E5. Donc, voilà pour cette vidéo sur les sacrifices d'obstruction. Voyez-la, et à très court terme, enfin, pas à très court terme. Un peu plus tard, dans quelques temps, je sortirai un gros bouquin en plusieurs volumes sur la tactique et avec un gros chapitre sur le sacrifice d'obstruction. Merci.